Aujourd'hui, nous sommes fiers de vous présenter deux modèles exclusifs de Babyfoot, spécialement édités pour notre magasin La Maison du Billard, en collaboration avec les ateliers Stella. Le Babyfoot de café est une pièce mythique. Le gros problème à l'heure actuelle, c'est qu'ils sont très massifs, et donc du coup s'intègrent très mal dans les décorations actuelles contemporaines. C'est pourquoi on a décidé de revisiter complètement le design de ces Babyfoot mythiques de café. D'un côté, on a une pièce style vintage avec un effet bois vieilli. On y retrouve des chancromes pour rappeler l'esthétique des bars des joueurs. Clairement, il a un look distingué et haut de gamme qu'on apprécie beaucoup. Pour le deuxième modèle, on a voulu faire quelque chose de plus intemporel. C'est pourquoi on a placé une pièce en effet chêne avec des champs noirs. On est sur quelque chose de plus sobre, mais qui s'adaptera très bien si vous avez des meubles en bois brut clair ou une verrière. Ensuite, pour pallier à cet effet placard du Babyfoot, on a décidé de faire un ton bicolore pour affiner la silhouette. C'est pourquoi on retrouve les façades effet bois et les côtés intégralement noirs. Ça casse radicalement l'effet massif de votre Babyfoot et lui donne un style unique. On est donc sur quelque chose de très design. Mais attention, on n'oublie surtout pas le côté mythique et authentique du Babyfoot de café. C'est pourquoi on y a fait installer les cages comme à l'ancienne, arrondies, perforées avec le boulier. Et même si aujourd'hui quasiment plus personne ne fume en intérieur, on y a laissé les 4 cendriers qui nous rappellent bien évidemment l'ambiance des cafés dans les années 80. Après ce mélange d'histoire et de design, je vous propose maintenant de faire un tour au niveau du jeu. La plupart des Babyfoot ont un jeu sympa, mais manque de dynamisme. C'est pour cela que ces deux modèles ont deux caractéristiques qui changent complètement la donne. La première, ce sont les réglettes, qui, contrairement au bord plat, permettent de faire des balles sautées. Ainsi, vous pourrez envoyer la balle directement en attaque, comme un peu au football quand on fait un dégagement. Deuxième point clé de ces Babyfoot, c'est le jeu avec la tête. Ça donne beaucoup de peps et apporte de la vitesse au jeu. Et clairement, vous arriverez à surprendre votre adversaire. Ces deux éléments sont typiques de ces Babyfoot-là. Après, bien sûr, on retrouve tous les éléments typiques d'un Babyfoot professionnel. Une surface en Gerflex, des barres en étirées de 15 mm, des angles surélevés pour éviter les arrêts de balles, les joueurs bien sûr en aluminium, un retour de balle centralisé, des pieds fabriqués en bois massif avec des renforts au milieu, des poignées rondes bien ergonomiques, mais si vous préférez des poignées longues, il suffira de préciser pendant votre commande. Bref, vous l'aurez compris, on est clairement sur du matériel professionnel. Ces Babyfoot ont été conçus et fabriqués dans le nord de la France, dans les ateliers de Stella, où brûle une passion et un savoir-faire depuis déjà des dizaines d'années. Vous pouvez retrouver ces modèles sur notre site internet www.lamaisondubillard.com. D'ici là, je vous souhaite un très bon jeu et à bientôt pour de nouvelles découvertes.